Ok, bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un petit Coliseum, voilà tout simplement. D'ailleurs bon, je tiens justement à faire une petite parenthèse en ce qui concerne la vidéo d'hier. Donc pour ma part, je pense que j'ai dit ce que je pensais. Vraiment, il y a des choses à corriger. Bon, il y a et il y aura toujours des personnes. De toute façon, je l'ai même dit dans la vidéo d'hier, il y aura toujours des personnes qui seront toujours contre moi. C'est comme ça, je vous ai même prévenu hier que voilà, cette vidéo n'allait pas forcément être aimée, même si la majorité des personnes justement sont d'accord avec moi. Il y aura et il y aura toujours justement des personnes qui se voilent la face, qui voient Dofus comme un jeu totalement magique, qui voient Dofus comme le meilleur des jeux tout simplement, alors que c'est pas du tout le cas. Dofus est un très bon jeu, un jeu extrêmement original qui a été créé maintenant il y a plus de 11 ans. Cependant, bon, il y a des choses à corriger. Enfin, de toute façon, tout ça, je l'ai dit hier. J'ai pas envie d'en parler. Mais les gars, franchement, je vous kiffe vraiment pour ceux en tout cas qui me soutiennent chaque jour, parce que à chaque fois, je parle des gens qui dislike. À chaque fois, je parle des gens qui me critiquent de façon négative. Et ils ont le droit de me critiquer de façon négative, mais quand il n'y a pas d'explication derrière. Moi je me prends plus la tête, vous savez, enfin maintenant voilà, moi je fais mes vidéos parce que j'aime ça. Il y a quand même encore une fois des personnes qui disent que je fais des vidéos pour l'argent, alors que je vais vous dire, enfin à vrai dire, c'est vrai que j'ai même pas besoin de m'expliquer comme ça, mais quand j'ai commencé les vidéos, je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent avec. C'est quand même pour vous dire, bon c'est vrai que maintenant j'arrive à un stade où j'ai quand même quasiment 15 000 personnes qui sont derrière moi, qui suivent mes vidéos régulièrement. C'est pour ça que bon, faut pas non plus, comment dirais-je, faut pas non plus, comment dire, je ne trouve pas le mot d'ailleurs, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une certaine responsabilité justement. Ça fait maintenant quasiment 2 ans que je fais des vidéos, et ouais, ça passe tellement vite le temps, et je m'en rends même pas compte au final, mais bon, voilà, c'est juste qu'il y a des personnes qui me comprennent, il y en a qui me comprennent pas. Encore une fois, je l'accepte, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je savais d'avance, les gars. Je sais, c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'on sait d'avance. C'est-à-dire que quand on fait une vidéo, justement, on parle de la vérité, c'est tout simplement une vérité. Je parle encore une fois du manque de communication de la part d'Ankama. C'est une vérité. Bon, les personnes qui contredit ça, moi je, franchement je peux rien pour vous les gars. Enfin bon, de toute façon je vais arrêter de me prendre la tête. Enfin à vrai dire, ça fait même longtemps que je me prends plus la tête justement ça fait longtemps que je me prends plus la tête pour les personnes qui n'en valent pas forcément la peine. Regardez d'ailleurs là les gars, mon cra à 18 PA, j'ai un problème de ligne de vue, et vous allez voir que même en tuant la Kawat, j'avais encore ce problème, j'étais dégoûté. Du coup, regardez, voilà. Il était. L'Eniripsa était sous preuve, on est tour 3. Et voilà, donc il y a un adversaire en moins. À ce moment-là, bon, je me dis que c'est plié. Je vous dis pas, hein, je vous dis pas qui va gagner, mais. Vous allez voir, de toute manière. Mais donc voilà, bon, pour continuer justement ce que je disais. C'est-à-dire que il y a des personnes qui voient Dofus comme un jeu. Comme un jeu où il n'y a pas de. Comment dirais-je? Comme un jeu en fait où tout est parfait. Avant, j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que voilà. Au tout début de Dofus, je parlais surtout. J'étais justement ce genre de personne qui. Bon voilà, je me connectais. Dofus, c'est un jeu, faut prendre du plaisir, blablabla, blablabla. Cependant, il y a. Comment dirais-je? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps, ne comprennent pas qu'il y a des petits soucis. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes soucis. Pourquoi? Je vais m'expliquer maintenant. C'est simple, c'est parce que on n'est pas tous multi-compteurs. On n'a pas tous beaucoup de kamas. Je dis pas que j'en ai beaucoup. Bon, j'ai quand même des centaines de millions de kamas. Je suis pas pauvre non plus. Mais il y aura toujours des personnes plus riches que nous, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui galèrent dans Dofus et qui pourtant justement arrivent à s'amuser. Alors que y a des personnes qui ont énormément de kamas, qui se font chier. Un petit peu comme moi de temps en temps, même si moi j'essaie de trouver justement des objectifs à atteindre. D'ailleurs là, regardez, encore une fois, un tour
totalement inutile de la part des Nutrops. Tout ça, c'est à cause des obstacles, les gars. Ça me fait vraiment rager. Les Héliotropes, de toute manière, ça me fait rager tout court. Mais enfin, bon. Mais voilà, bon, pour continuer ce que j'avais à dire, franchement, c'est grâce justement à toutes les personnes qui me soutiennent chaque jour. Et franchement, vous êtes beaucoup, parce que à chaque fois que je me connecte en jeu, à chaque fois, je reçois des messages vraiment super sympas. Ouais, Joy, continue tes vidéos, ouais, tu gères, etc., etc. Et bah, franchement, les gars, c'est vraiment grâce à vous que je tiens le coup, parce que je dois vous avouer que c'est pas forcément facile. C'est-à-dire, bon, je vais pas non plus faire mon fragile, tout ça, mais bon, il y a des commentaires qui sont assez vexants. Effectivement, bon, moi, je ne m'occupe plus vraiment de ça. C'est-à-dire que, voilà, moi, ça fait maintenant 2 ans que je fais des vidéos. J'ai toujours eu des commentaires comme ça. Encore plus en ce moment. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, mon nombre d'abonnés grandit. Et qui dit plus d'abonnés dit justement... beaucoup plus de monde, et donc forcément notre chaîne ne plaît pas à tout le monde. Cependant, même si ma chaîne ne plaisait pas à tout le monde, les gens ils sont quand même abonnés à ma chaîne, c'est à dire que ils sont abonnés mais ils aiment pas ma chaîne. Je ne comprends pas, les gars. Franchement, je suis un petit peu perdu. Là, vous allez voir que je vais totalement foirer. Bon, je me suis un petit peu rattrapé à la fin avec le duel, mais finalement ça aura servi à rien, malheureusement. Mais enfin, bon. Du coup, ce qui s'est passé, c'est justement que bon, j'ai remarqué que justement il y avait des personnes qui me suivaient et qui étaient vraiment d'accord avec moi. Et je pense que bon, toutes ces personnes-là qui vont se reconnaître dans la vidéo, bah franchement, je tiens vraiment à vous remercier, parce que il y a beaucoup de bonnes personnes en réalité qui ne commentent pas forcément. Et ça, je le sais. Qui ne commente pas forcément, mais qui like, ou bien qui ne like pas forcément. Moi, c'est pour vous dire, lorsque j'aime une vidéo, je ne l'aime pas forcément, pour plusieurs raisons. C'est parce qu'en fait, avant tout, j'ai ma chaîne YouTube, et qui est en fait reliée à mon Twitter. C'est-à-dire que lorsque je like une vidéo, ça me le met directement en mode notification sur mon Twitter. Du coup, je peux pas liker n'importe quoi. Donc c'est pour ça que moi j'évite de liker, en tout cas avec mon compte YouTube. Enfin bon, je suis un petit peu obligé vu que j'ai qu'un compte YouTube. Et puis voilà. Enfin bon, les gars, moi, bon, en ce qui concerne là le combat, là vous avez pu voir, ça se termine en 1v1. C'est assez triste, parce que le combat était parti en 2v3. Et j'ai fait de la merde plusieurs fois, et je le sais. Bon, Dofus c'est un jeu, voilà, on prend du plaisir, tout ça. Il y a encore des personnes pour qui Dofus c'est plus vraiment un jeu, c'est-à-dire que ça fait partie de leur vie. Enfin, on va dire que Dofus en fait peut faire partie de votre vie, et en même temps que ça soit un jeu. Mais pour les personnes justement qui jouent à Dofus et qui prennent le jeu trop au sérieux, et qu'il y en a tellement, les gars, vous vous rendez pas compte, mais il y a tellement de joueurs qui prennent Dofus vraiment trop au sérieux. Quand je dis qui prennent Dofus trop au sérieux, c'est à dire que il y en a, ils vont carrément jusqu'à insulter les gens. Je parle pas forcément de YouTube là, je parle dans le jeu in game. Donc il y en a qui carrément insultent les gens, par exemple, qui, enfin, il y a même des menaces de mort, etc. Alors après, la plupart du temps, est-ce que c'est des gamins, j'en sais rien. Bon, je m'en fiche un petit peu, parce que voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, bon, au fond, Dofus c'est quoi? C'est un jeu, c'est un MMORPG, pardon. Un jeu, c'est fait pour quoi? C'est fait pour s'amuser, c'est fait pour prendre du plaisir. Il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre cela. C'est pour ça que bon, dans ma vidéo d'hier, je dois vous avouer que je me suis lâché. Je voulais vraiment, mais alors vraiment pas faire d'hypocrite, vraiment pas garder tout ça pour moi. Déjà que j'ai pu le garder entre guillemets jusqu'à maintenant, même si dans certaines de mes vidéos, je disais un petit peu ce que je pensais. Mais vraiment, hier, les gars, j'ai vraiment dit tout ce que je pensais à propos du jeu. C'est vraiment un jeu super original, c'est vraiment un putain de jeu. Mais c'est vraiment dommage que Ankama ne fasse pas les efforts nécessaires. Je parle surtout de la communication, les gars. Le double XP, bon, ça, encore une fois, je l'ai dit dans ma vidéo, mais je tiens vraiment à le répéter parce que c'est super important. La communication dans une entreprise, c'est ce qu'il y a de plus... c'est sans doute la chose la plus importante dans une entreprise. S'il n'y a pas de communication, il n'y a rien, les gars. Et franchement, quand je vois qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a un double XP, qui ne savent même pas qu'une nouvelle classe est sortie, bon, encore que les nouvelles classes, bon,
En général, ça se dit dans le canal commerce, tout ça, même le double XP, mais bon, il y a quand même des gens qui ne jouent pas forcément à Dofus et qui justement vont se connecter pendant le double XP. Enfin bon, voilà les gars, c'est juste pour vous dire qu'Ankama fait des erreurs et malheureusement, enfin, j'ai envie de dire, toutes les entreprises font des erreurs, mais il y a des erreurs à corriger d'urgence quand on a une entreprise qui dure depuis maintenant 11 ans et qu'on s'aperçoit toujours pas qu'il y a un manque de communication vraiment cruel dans le jeu, bah je ne sais pas quoi dire. Enfin bon, voilà les gars, en tout cas, encore une fois, merci aux vrais, merci aux personnes qui me soutiennent tous les jours. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'est... J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai perdu mon temps.